représentants des gouvernements de la République d'Haïti et de la République dominicaine ont noté des avancées réalisées à l'issue de la deuxième réunion de la Commission binationale de haut niveau Haïti-République dominicaine, la première réunion ayant eu lieu le 7 janvier dernier. Cette deuxième réunion témoigne de la qualité des relations entre les deux pays et leur volonté d'approfondir la coopération dans les domaines prioritaires de l'agenda bilatéral. Les représentants des deux pays ont reconnu les progrès réalisés ainsi que le travail effectué par la Commission binationale de haut niveau. La rencontre a eu lieu en présence des représentants internationaux, notamment du chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, Elias Awa, que les deux États ont remercié pour son accompagnement. La réunion a porté sur les questions touchant la migration, les douanes, la sécurité et l'environnement. Les deux délégations ont signé des accords entre les institutions douanières, de l'agriculture, de l'environnement, de la lutte contre le trafic illicite de la drogue. Copies des dix accords sont annexées à la présente déclaration. Aussi, les deux parties ont convenu d'un programme de coopération entre leurs polices nationales. Ce programme contient six axes. Formation, échange d'informations de renseignement, recherche criminelle, recherche de fugitifs et opération conjointe. De même, un accord interinstitutionnel entre la Direction nationale de contrôle de drogue et la Police nationale d'Haïti a été signé en vue de lutter contre le trafic de la drogue. Migration. En ce qui concerne le terme migratoire, plusieurs points d'intérêt communs ont été abordés. 1. Les avancées dans la mise en œuvre du plan national de régularisation des étrangers. 2. La promulgation d'un nouveau type de visa pour les travailleurs. Pour nous assurer que les travailleurs sont couverts. 3. Les règles réagissant le séjour des étudiants haïtiens, incluant la gratuité des visas, ça veut dire visa gratis pour étudiants, et la liberté de rentrer et de sortir sur le territoire dominicain sans aucun frais additionnel. Ça veut dire que étudiants sont capables de rentrer et sortir sur le territoire dominicain sans avoir besoin de payer rien. La République dominicaine a réitéré son engagement à introduire au Parlement dominicain le 27 février 2014, au début de la nouvelle législature, une loi spéciale traitant de la situation des personnes nées sur le territoire dominicain et qui actuellement ne détiennent aucun type de document. Ceci, naturellement, traite des citoyens affectés par la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le gouvernement haïtien a réaffirmé son engagement à faciliter l'émission de passeports et d'actes d'état civil en faveur de ses ressortissants au niveau des postes frontaliers et dans les consulats haïtiens. Ceci naturellement, le ministère de l'Intérieur prendra toutes les dispositions dès demain pour faciliter ce processus. Commerce, sur le plan commercial, les deux pays ont exprimé leur satisfaction d'être parvenus pour la première fois à un accord qui permettra la coordination et l'échange d'informations entre les deux autorités douanières et, l'un des points les plus importants, l'interconnexion des systèmes douaniers SIGA et SIDONIA, qui permettra de réduire, voire d'éliminer les sous-déclarations. Dans l'environnement,
le dernier thème abordé fut celui de l'environnement. À ce sujet, un protocole d'accord a été signé pour réitérer formellement l'engagement des deux pays à protéger leurs ressources naturelles. D'autre part, les gouvernements d'Haïti et de la République dominicaine ont décidé de favoriser la communication et la réflexion commune par la mise en place d'un observatoire binational qui sera financé par l'Union européenne, composé d'universités et d'organisations de la société civile des deux pays comme lieu de recherche. Comme lieu de recherche, d'analyse et de participation dans les mécanismes de dialogue entre les deux pays, tels que la commission mixte binationale, bilatérale. Suivi. En ce qui concerne la commission mixte bilatérale, les deux parties ont reconnu la nécessité de jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre et le suivi des accords convenus, en ayant des réunions de façon régulière et en produisant les réflexions nécessaires pour les réunions ultérieures de haut niveau. Côté secteur privé, la principale nouveauté de la réunion a été l'implication du secteur privé des deux pays. Les deux pays ont considéré cette participation comme un signe du renforcement des relations du côté secteur privé entre les différents secteurs binationaux, secteurs privés binationaux. Société civile, les deux délégations se sont également mises d'accord pour impliquer dans le dialogue binational les représentants représentatifs de leurs sociétés civiles respectives. La prochaine réunion du dialogue de haut niveau se tiendra le mercredi 12 mars en Haïti. On participe à la réunion pour la République d'Haïti. Laurent Lamothe, Premier ministre, Pierre-Richard Casimir, ministre des Affaires étrangères, Wilson Lalo, ministre du Commerce et de l'Industrie, David Basile, ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Leslie Maniga, coordonnateur et conseiller du Premier ministre, Thomas Jacques, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Michel Chancy, secrétaire d'État à la production animale, Thomas Jean-François, ministre de l'Environnement, le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, Lionel Tressy, l'inspecteur général de la Police nationale d'Haïti, Frisnel Jean-Baptiste, directeur général des douanes. Pour la République dominicaine, Gustavo Montalvo, ministre de la Présidence, José Manuel Trujol, vice-ministre des Affaires étrangères, José Ramón Fadul, ministre de l'Intérieur et de la Police, Savignon José del Castillo, ministre de l'Industrie et du Commerce, César Piña Toribio, consultant juridique exécutif, et Luis Ramón Rodríguez, ministre de l'Agriculture, Bautista Roja Gómez, ministre de l'Environnement, Fernando Fernández, directeur des douanes, Major Général Manuel Castro, chef de la police nationale, Major Général Julio César Soufran, directeur de la DNCD, fête à Jimani, République dominicaine, le 3 février 2014, en deux exemplaires originaux, en langue française et espagnole.